Saviez-vous que les personnels de santé dans les hôpitaux qui s'occupent des cancers ne regardent pas ou très peu les protocoles de sécurité réglementaires? Mais attends, je suis membre du groupe 3 et j'ai une solution à te proposer. Ouais, je t'écoute. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais tous les matins quand tu arrives à l'hôpital? Tous les matins quand j'arrive à l'hôpital, je prends mon badge et je vais à la pointeuse pour signaler que j'étais bien présent toute la journée. Moi, ce que je te propose, c'est que tous les matins quand tu arrives à l'hôpital pour aller à la pointeuse, tu aies une notification qui te dise s'il y a eu un changement dans le protocole. Mais du coup, qu'est-ce que ça me change? Moi, j'aurai toujours le protocole à lire. Eh bien, justement, ce que je te propose, c'est que plutôt d'avoir un long protocole à lire, tu as une vidéo qui s'affiche sur un écran avec des professionnels qui t'expliquent de manière claire les gestes et les changements du protocole. À quel moment te laver les mains, à quel moment mettre les gants de sécurité. Et si en plus tu n'as pas le temps de regarder la vidéo sur l'écran à ce moment-là, tu as un code QR qui s'affiche que tu peux flasher avec ton téléphone et après regarder la vidéo plus tard sur ton téléphone, par exemple dans les vestiaires quand tu te changes. Waouh, mais c'est génial! En fait, ça me permettrait un gain de temps de folie et en plus je suis sûr que moi et tous mes collègues connaissent les protocoles de sécurité réglementaires.